Monday new vlog number 3. On est lundi, vlog numéro 3. C'est parti. Alors pour ce vlog, je vais décrire un petit peu ce que vous voyez puisque ça peut être compliqué. For this vlog, I will describe a bit what you see because it can be complicated for people who never saw it. So now we are warming up with the backward crossover. Maintenant, on fait les croisés arrière pour s'échauffer. Fait une sortie parce que c'est comme une sorte de salut. Now we are doing the exit that everybody is doing normally in competition. On fait une sortie que tout le monde fait, oui, pendant les compétitions. Christian, maintenant nous devons please faire notre short dance en entier, c'est le programme court. We are supposed to do our short program, full program. So I am going to describe a bit what we are doing, then it's more clear for you when you will watch competitions. Maintenant je vais essayer de décrire un peu ce qu'on fait et ça peut être plus clair pour vous quand vous voulez regarder des compétitions de danse sur glace. Donc là on fait une petite chorégraphie, il y a toujours un peu de chorégraphie. À partir de maintenant, les pas, tout le monde va faire ces mêmes pas-là. On appelle ça la rumba. Donc il y a des pas importants à faire. On this rumba that we did, it's a pattern that everybody has to do. So from now, it's over and everybody can do whatever steps they want to do. Maintenant, à partir de maintenant, on appelle ça la partielle. Now it's the partial step sequence. C'est une séquence de pas où voilà, il y a des retournements compliqués. Il y a des retournements à faire qui doivent être en quart et jolis à regarder et sans que ça ait l'air d'être difficile. So, there is a lot of steps like turns. That it should be with age and it should looks like it's not difficult. And now is the end and now we are about to do the lift. Maintenant c'est le porté. Donc dans le programme court il y a un porté obligatoire. Donc, voilà. Il y a différents niveaux. There is different level for the lift. Like, maximum level is 4, with 4, if you have level 4, you have a lot of points, but it's really complicated. And now, it's actually the twizzle sequence. Maintenant, c'est la séquence de twizzle, tout le monde doit faire ça. J'ai fait un tour en moins, donc ça c'est pas bien pour les compétitions. I did one less turn, if you want to check again. It's not so good. And we go directly on the midline. On va directement dans la médiane. C'est aussi une séquence obligatoire que tout le monde doit faire. C'est parallèle, on fait aussi une séquence de pas. Et on doit traverser toute la piste comme ça d'un bout à l'autre. Il faut que ce soit plutôt chorégraphique. So this should be a sequence with hard step, hard stance. So we are of course dead, and I wanted to keep this moment after the video because I want that you see that it's not easy, that we are breathing hardly. Donc voilà, vous pouvez voir que on est fatigué. Je vais garder cette séquence juste pour vous montrer ça. Voilà. Alors maintenant c'est une partie où je me la raconte un petit peu, j'avoue, mais je voulais montrer que voilà, on faisait beaucoup de workout. Et qu'il fallait donner 100% à chaque fois qu'on s'entraînait et dans tous les domaines. So guys, wondering why I'm working out like this, why we are working out like this. Me, I'm wondering why the other sport people don't work out like this. Because our body is our instrument, okay? And we need to be 100% like in health. And I'm doing the sport for the life, okay, for my career,
So I want 100% perfect everywhere. Food, workout, and on the ice, working also 100% on the ice all the time. So if you want to succeed and you are giving only 50%, it's not gonna work. You need to do all your best in everything, okay? So I hope you will change your life with this and you will wake up in doing 100% everywhere. Alors on est de retour sur glace et je voulais vous montrer que le genre de problème qu'on avait souvent, des trucs qui marchaient pas. Il y en a plein d'exemples comme ça, mais sur celui-là, on s'était un peu pris la tête. En one step. She's always falling. So we are trying to make a step where she step on top of my foot, on my leg, and make a three turn. We call it like this. She makes a turn around me. And she is always like falling, and it's like not fluid, so it's not comfortable for her. And we are trying to make it work. Donc là, elle essaye de passer, comme vous avez vu, au-dessus de ma jambe et faire un tour. Mais elle a un peu de mal à se taper dessus, donc c'est un peu pris la tête là-dessus. Je suis allé la voir. So now it's working. Do you know why it's working? I need the test. So this time I can do it again. Huh? I know what I have to do. I need to go forward and then I will come back to this. Not everything is pink. C'est pas tout le temps la vie en rose. Sometimes we have failed. Maman de Jérémy, je veux te dire qu'il ne travaille pas, il est méchant et il est noir. Ah. Il est 8h15. It's 8:15. And he's ready for fishing. This lake is beautiful. Now I'm waiting for my partner. She forgot her pants in the bedroom. She's on her way up. Ma partenaire, elle a oublié son. Pantalon pour l'entraînement à l'hôtel. Du coup, j'attends ici. There is worse place. Il y a pire comme endroit pour attendre. J'ai un peu les yeux éclatés. La semaine est pas facile du tout. The week is not really easy. My eyes are a little bit dead. And she's here. Mamma mia. Why did you forget your pants? Because you are in love. When we are in love, we forget stuff. She's so cute when she talks on the phone. Donc là on est sur le point de faire le programme long en entier. We are about to make the full long program. Now, I will scream pause. No, if we have... screen. Okay, we will see. See, of course. Okay. Nous commençons le début de notre programme long. We are starting the beginning of our free program. It's just the choreography at the beginning. We are doing choreography. On fait oui juste la chorégraphie au début et après il y a une pirouette. Pirouette qui est un élément obligatoire just after there is a spin. But it's a really needed element for the skaters. But I will have to cut the free dance. I will not put full because of the YouTube rules. About the music, je vais devoir couper à cause du règlement sur la musique de YouTube. Donc voilà, on a fini quelques patineurs applaudissent que j'ai laissé parce que Barbara a réagi. C'est assez rigolo. So I keep it because it's a bit funny how Barbara is reacting now.
That's it. We are Friday night and we are packing because tomorrow we sleep early and we go to Milano. Voilà, c'est fini la semaine à Cerreto. On fait nos valises parce que demain on patine et on va directement à Milan. Donc, enfin fini cette semaine qui a été super dure. Je suis super fatigué. On est fatigué. Justina est partie payer. So that's it. I'm very tired about this camp. It was three weeks camp with the coaches. 5-6 hours on ice and plus the workout. It was really hard. So now we'll have some days free and we will be in Poland. We will make probably a vlog there and on the way to go, and you will see. So tomorrow on ice and then we drive to Milano. The last day. Nobody is skating anymore. Voilà, c'est terminé pour Cerreto. We finished with Cerreto. Everybody is out. So, see you for the next vlog. Follow, subscribe, like, share. Vous pouvez suivre et partager. Mettez un pouce. Vive la Pologne. Forza Polonia. See you next time in Poland. La prochaine fois, on se voit en Pologne. Et maintenant, on va conduire à Milan. C'est parti. It's so hot. We are in the traffic. Il fait super chaud. Il y a du trafic. So many people and we are just standing there. Il y a tellement de gens et on reste sur place. On est bientôt au péage. More than 40 degrees, yes. So please like and we will get colder. Je vais lâcher un pouce bleu et on aura un peu moins chaud probablement. Ça va beaucoup nous aider. Subscribe. Oh, we're still on the same place. We're toujours à la même place. Fuck. Yeah! That's it. 19,60 €. Damn. We don't have money for the AC in the car, so please. On this video and the link, there is to give us some money. And maybe with this money we can drive in, with air conditioning. On n'a pas l'air conditionné dans cette voiture. C'est une ancienne voiture, on a pas assez d'argent. Donc dans le lien en bas, je vais donner de l'argent pour notre vie de sportif. On n'est pas riche quoi. Donc si vous voulez nous aider, j'ai mis le lien en bas. Et là, elle galère. Eh ben. Yes, we can drive. Youhou!